intéressant, important de participer, pour cet aspect un peu réseau, connaissance, interconnaissance, travailler ensemble. Voilà, ça fait partie aussi de mes missions sur le faire travailler, animer des projets collectifs entre acteurs ESS, non-ESS, sur ces questions-là, avec les collectivités aussi. Et finalement, ça rejoignait ces problématiques-là, entre guillemets, mais à l'échelle plus départementale. Autant de personnes sur une après-midi, ça commence beaucoup de rencontres. La région était là, la recyclerie du Pays de Brest. Donc en fait, en une après-midi, on arrive à nouer plein de contacts. J'ai trouvé ça marrant, en plus des ateliers très formateurs, des ateliers sans animateur. On a laissé la main avec la petite enveloppe, avec les horaires à suivre, le jeu de photos interconnaissance. J'ai trouvé ça pas mal. Et puis de nous faire formuler nos questions au début. Qu'on arrive avec des ateliers tout prêts, avec des questions toutes faites, qu'on nous dise où sont les besoins, puis qu'après on voit. C'est bien parce qu'on a échangé plein de conseils, parce qu'on voit qu'on se pose les mêmes questions ou qu'on va se poser les mêmes questions. C'est vraiment très positif. C'est rare encore les collectivités où il y a vraiment un chargé prévention, réemploi. On est encore sur une organisation modèle. C'est une petite révolution. Voilà, on change le modèle. Il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on ne sait pas que le voisin doit être plus sur l'enjeu. Oui, non, mais. C'est totalement ça. Là-dessus, on doit impliquer les collectivités. Alors, on a de la chance, c'est qu'on avait une personne de la collectivité avec qui on travaille qui était là. Les choses se sont peut-être dites plus facilement. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. On a même parlé d'autres journées possibles, voilà, ce qui serait encore mieux, enfin, voilà, de continuer à avoir ce réseau, de mutualiser toutes ces idées, toutes ces petites ficelles qui font avancer les choses.